Il y a une go qui m'a écrit que la mère, il veut me séparer de mon homme. Depuis, on est ensemble, là, on sort jamais. Il m'envoie pas à la plage, on sort pas. C'est qu'il est toujours occupé, il est toujours ceci, mais il s'occupe de moi, il me donne mon argent. En tout cas, quand il y a besoin de lui, il est là. J'ai dit, oh, on peut laisser quelqu'un en cours de plage. On peut laisser quelqu'un en cours de sortie. Que non, c'est parce que je suis pas sa priorité, c'est parce que je suis pas sa princesse, je suis pas sa reine, c'est à cause de ça, il pense pas à sortir mon nom. C'est pas, ce que tu dis là, c'est un sens, hein. Mais faut pas voir seulement dans ce côté-là. Le contexte que toi, tu vois dedans, c'est pas bon. Parce que si vraiment tu n'es pas sa priorité là, tu vas te donner l'un des points, c'est pas quoi. Toi, tu es Dieu. Donc, il vient mettre dîme dans ta main, quoi. Non. Faut comprendre, c'est que, allez au-delà, laissez votre esprit. Vous allez faire AVC. Oh. Parce qu'il y a des filles, à force de ne pas réfléchir, elles vont faire AVC. Le cerveau est limité. Et puis, l'égoïsme, là, c'est très mauvais dans la relation. Parce que tu penses seulement qu'à toi seul, tu vas partir dans mon homme. L'égoïsme, là, c'est pas bon. Tu comprends? L'homme, là, il n'est pas forcément mauvais. Tu comprends que le fait qu'il n'arrive pas à penser à des choses extra, tout ça, il peut être occupé. Il est en train de réfléchir à comment se bâtir, comment asseoir ses finances. Tu vois, non? Tout ça aussi, ça demande des réflexions, des nuits blanches. C'est pas facile, des nuits blanches. Donc, si toi, tu as eu l'idée là, pourquoi ne pas proposer tout doucement, bébé? Samedi prochain, on n'a qu'à partir à la plage. Comme ça, moi, tu le taquines, bébé, moi, je paye la boisson. Hein. Et puis, vous programmez. Tu comprends, non? Tu lui apportes l'idée. C'est pas pour rien, Dieu a mis la femme à côté de l'homme. Parce que Dieu sait que l'homme peut être vraiment à l'ouest dans les histoires de chercher l'argent pour s'asseoir. Donc la femme vient comme une aide. La femme vient apporter des idées. La femme vient amener l'homme à voir ce qu'il n'arrive pas à voir. Même les choses sont petites comme ça devant lui. Le gars ne peut pas voir parce que son esprit est occupé en train de chercher de grandes choses pour que vous deux puissiez vivre paisiblement. Toi, tu vas lui faire voir ça. Est-ce qu'on a besoin de se séparer? Est-ce qu'on a besoin de quitter quelqu'un pour ça? J'ai dit, si vous ne réfléchissez pas, vous allez faire AVC. Le cerveau Dieu a donné, là, on n'a qu'à utiliser, nous, là. On n'a qu'à utiliser. Parce que quand il s'agit des garçons, là, la femme est très limitée psychologiquement. Quand il s'agit de problèmes des garçons, là, la femme ne raisonne plus. On a un prototype comme ça. Si ça ne rentre pas dedans, non, il est mauvais. Et puis, on passe à autre chose. Non, on n'a qu'à s'asseoir et puis aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir, nos réactions bizarres. Okay.